Salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers des différents websites, à travers de YouTube, ainsi qu'à travers nos chaînes de télé. Je suis à Lubumbashi aujourd'hui, à côté de celui qu'on appelle Baba Kyungu. Depuis que Katanga Katanga, c'est lui le grand leader après Mbuza Karibon. Ils étaient ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, on parle trop de lui. Baba Kyungu qui a vécu la première génération, la deuxième. Et il est avec nous. Nous prions à ce que Dieu puisse vraiment lui prêter main forte, à ce qu'il puisse vivre encore longtemps. Alors, avec lui, on va pouvoir s'entretenir à propos des enjeux politiques actuels. Rapidement, je salue mon invité. Bonjour, bonjour honorable. Bonjour, bonjour, cher ami. Vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Ma première préoccupation est vos impressions. Les jours où vous avez appris Félix Tshisekedi comme président de la République. On croyait un rêve. Et puis aussi une satisfaction. Ça peut vous étonner. Je viens d'Afrique du Sud. J'apprends que... à Genève, il y a eu ce qu'il y a eu. Quand on m'a posé des questions, qu'est-ce que nous allons faire et tout. Bon. J'arrive à Lubumbashi, je lance un message. Lors d'un meeting, je dis, il n'y a pas à désespérer. J'ai passé quelques temps chez nous au village. Les villageois vont à la chasse. Ils n'ont pas tous la même catégorie d'armes. Ils ne font pas tous les mêmes groupes. Ils sont dispersés. Mais alors, après la chasse, s'il y a quelqu'un qui attrape un gibier, un cachia, comme on le dit chez nous, ou un éléphant, ou si vous voulez, c'est tout le village qui en profite. Nous sommes là, il y a les camps de Félix et Caméré, et puis il y a les camps de Moïse avec les autres. Mais tous nous sommes dans une même famille. Que le meilleur l'emporte, mais ça va nous profiter, tous. Je prends à témoin ceux qui étaient là. J'ai refusé de dire non, c'est là. Non, j'ai dit tous nous sommes les enfants d'une même famille. Allons-y. Celui qui va attraper du gibier, eh bien, nous allons manger tous. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. À la lumière de ces 100 jours déjà épuisés, vous croyez vraiment que, avec Félix Tshisekedi, le Congo va aller de l'avant? Moi, je garde toute ma confiance. Pourquoi? Pas par fanatisme. Non, je ne peux pas. Mais par analyse, on peut dire tout ce qu'on veut. Félix a une volonté à pouvoir soulever les montagnes parce que c'est un héritier dans les combats. Il ne peut pas trahir. Il a en face de lui un héritage que lui-même, dont lui-même est conscient. Et il ne peut pas un seul instant, quand je vois les gens écrire l'argent, les ceci. Vous savez, vous avez parlé d'Étienne, son père. Il ne savait, quand on nous envoie un paquet d'argent, il dit, Gabi, cherchez-moi quelqu'un. Moi, je ne sais pas compter ces histoires. Il ne savait même pas compter l'argent. Pour vous dire que son fils, c'est la même chose. La même chose. Ce n'est pas un mondain, malgré son âge, mais on voit, il est concentré dans le rôle qu'il est en train de jouer au pays. Et donc, ayons confiance. Vous avez vécu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, je pense. Je parle du régime. Pourriez-vous dire juste un mot à propos du règne ou du régime de Kassavubu, de Mobutu, de Musé, de Joseph et de Félix Tshisekedi? Juste un mot là-dessus. Bon, Kassavubu, j'étais encore aux études. Je n'ai pas travaillé sous Kassavubu. J'ai travaillé sous Mobutu. Et je connaissais la bagarre avec Mobutu. Mais après, on a fait la paix avec lui, du moins, ce qui nous concerne, parce qu'il m'avait nommé gouverneur avec l'avènement
Calibonde et tout. Et j'ai trouvé en lui un homme très, on ne parle pas du mal des morts, mais il avait son caractère. C'était un militaire, hein, c'était vraiment un dictateur tourné. C'était un militaire. Il disait, le côtoyen nous disait, notamment Seti, quand il m'avait reçu, lorsqu'on était à l'OUA, il dit, mais vous, Toyebinanote, vraiment, vous avez le courage de faire face à cet homme-là. Nous, on ne peut même pas être à un mètre de lui. Mais comment est-ce que vous avez ce courage-là? Bon, c'est un dieu. L'autre chose, Etienne dit à Gabi, le bonhomme là, Yoka, ça que le bonhomme. Vous voyez donc, c'est très difficile. Mais alors, en ce qui concerne Mosée, ici où vous êtes, vous m'avez trouvé gouverneur. Et, soit dit en passant, c'est un frère de village. Et nous avons vécu ensemble, on était les enfants de même village dans Koro et tout. Quand il est venu comme chef de l'État ici, il m'avait trouvé gouverneur, j'avais tout fait. Comme j'ai vu d'ailleurs mon frère Étienne avait, avec enthousiasme, il avait voulu aller l'accueillir et lui dire de se séparer un peu avec ses compagnons qui nous avaient amenés. Alors, donc même moi ici, j'avais au moins 300 Rwandais ici, des militaires qui étaient entrés, qui me gardaient ici pendant 6 mois. J'étais envahi ici pendant 6 mois. Et c'était aussi un peu, quelque part, c'était un dictateur. Et maintenant, l'opinion doit savoir que, nous revenons à ça, si notre frère là qui parle les urnes et tout ça, s'il était au pouvoir, je crois que nous allions connaître encore. J'ai l'impression. Dieu nous a gardé beaucoup de choses. Je vois. Nous allions connaître encore. Enfin, je n'ai rien dit. Alors, c'est ça. Et maintenant, avec Félix, je suis en train de vivre toutes les réunions qu'on faisait. Quelle est l'image que nous voulons? Quel est l'homme que nous souhaitons être à la tête du pays? Et c'est ça que je sens. Je dis, qu'on les laisse tranquilles, parce que nous sommes, maintenant nous qui étions en prison, nous connaissons le prix de liberté. Cet homme nous laisse le monde, le tout le monde libre. Ceux qui n'ont pas souffert sous Joseph Kabila, ils peuvent se donner, se permettre le luxe de critiquer Félix. Mais ceux qui ont souffert comme nous, Joseph Kabila m'a mis ici 3 ans. Les militaires, ça ne disait pas son nom. Quand vous sortez, vous trouvez des militaires, vous dites, est-ce que je suis en résidence surveillée, donnez-moi un papier. Ah, chef, non, on nous a dit de venir rester ici. Vous restez avec des militaires nuit et jour, en train de se droguer dehors là. Il y en a qui prenaient du loutoukou, là-bas dehors. Donc quelqu'un pouvait entrer, d'ailleurs, si vous arrivez. Vous allez voir, le portail là-bas dehors, c'est brûlé. Ce sont les militaires qui avaient fait ça. Pendant 3 ans, son père m'avait enfermé. Cette fois-là, les militaires étaient à l'intérieur. Ils vivaient avec moi à l'intérieur pendant 6 mois. Il n'y avait plus rien qui m'appartenait ici. Tout leur appartenait, les casseroles de ma maison, les assiettes, les fouilles. Ils prenaient tout. Alors, voilà l'autre côté. Et je crois. Encore une autre dictature. Une dictature sanguinaire. Parce que, écoutez, Moïse l'a dit hier, il a raison. Et ce qui s'est passé au Kassai, ce qui se passe encore à l'Est. Mais ici au Katanga, on disait que c'est chez lui. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvions dire?
Il y a par exemple l'INAFEC, mon parti politique, j'ai perdu plus de 15 jeunes qui sont morts devant moi. Ils sont morts. Des jeunes qui ont laissé des petits enfants comme ça. Ici, ici. Alors, lui-même, Félix, lui-même, il vient, il descend, il dit, je vais chez Baba. Je l'ai reçu ici. Nous sommes restés jusqu'à tard, à 20h, il fallait lui permettre d'aller se reposer à l'hôtel. On allait nous tuer, moi et lui, à la sortie. À la sortie. Quand les gens disent, ah oui, mais moi, non. C'est tout à fait quelque chose qu'il faut. Il faut prier Dieu qu'il reste là, ces jeunes. Parce que nous avons maintenant, nous sommes en train de réaliser le rêve. Le rêve. Parce que je me dis, mon frère, il connaît, mon frère, Madidi, il connaît à Calémy ce qui s'est passé. Il y en a qui étaient en dessous des jeeps avec des bombes lacrymogènes. Bon, maintenant qu'il ne peut plus avoir ça, à Sainte-Thérèse-là, nous avons eu des problèmes quand nous étions encore avec l'autre. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit témoignage, parce que on a vu à la télé comment Fayulu était couché par terre et vous étiez là en force, vous qui êtes plus âgé que lui, mais lui semblait être plus mal à l'aise que tout le monde, même la femme. Eve Bazaïba avait de la force, mais qu'est-ce qui s'était passé au juste? Non, c'est un réflexe de sécurité. C'est un réflexe sécuritaire. Que voulez-vous? C'est quand on est. Vous êtes en train de sourire. Quand on est au front, c'est comme ça. Nous, on prend les choses comme elles sont. Ici, c'était mis un peu à l'abri. Et au jour d'aujourd'hui, dans les temps, avec l'avènement de Genève, Fayulu était plus sous vos ordres. Mais j'ai comme l'impression que vous ne parvenez plus à le gérer. Comme si il évolue seul. Il ne tient plus compte de tous les accords de Genève. Je ne sais pas si c'est la Mouka existe encore. Allez poser la question à ceux qui sont dans la Mouka. Moi, je me suis réveillé depuis longtemps. Moi, je ne me pose plus ces problèmes-là, ceux qui ont besoin d'être réveillés. Mais moi. Je me suis déjà réveillé là, il y a longtemps, il est là. Ok, merci vraiment Baba Kyungu, si Dieu, comme on le dit à Lingala, qu'est-ce que vous avez fait comme acte que vous pourriez, jusqu'à aujourd'hui, vous regretter, les actes que vous avez à commettre dans votre carrière politique. Et ce qui est Zambazongisaki Mokilisima, me brouiller avec mes frères à cause de la politique. Quelle frère? Grave erreur de ma vie. Parce que Étienne m'avait dit ça un jour, dit ça s'est arrivé à Louloubourg. Tu vois que Mobutu là-bas a voulu t'utiliser. Et c'est pour ça qu'il m'a parlé de choses. Sangalvan, lui-même, il connaît l'histoire. Il connaît les histoires là, non, on n'a pas eu le temps d'approfondir tout ça, mais c'est un acte que je déplore, c'est arrivé de part et d'autre, mais pour rien. Ce pays est grand, nous n'avons pas à dire originaire de ceci, originaire de cela. C'est ce qui empoisonne et on nous a mis là-dedans pour que nous puissions vraiment le régresser au lieu de se développer. C'est une erreur et les futures générations ne doivent jamais oser faire cela. Mais ça s'est fait déjà avec Martin Fayulu, où on crie trop sur les Balouba et c'est vrai, du tribalisme risque de prendre de l'ascenseur. À vous maintenant de le éradiquer, c'est important. Mmh. Juste un message au peuple congolais qui semble être naïf. D'abord, c'est une folie. Dans quel sens? Qui est-ce qui se marie à sa petite sœur, même père, même mère? Qui? Personne. Non. Il y en a qui sont mariés au Balouba, il y en a qui sont mariés au Bangala, il y en a qui sont mariés de Katangé, tout ce que tu veux là, les Basakata, tout ça. Mais nous sommes mélangés.
Vouloir ces choses, se focaliser sur une telle politique, c'est d'abord, vous savez, même du côté des Blancs, vous savez, là, en Belgique, vous avez les Flamands et les Wallons. Mais maintenant, ils se sont tués au niveau. Vous êtes en Flandre, vous êtes en Wallonie, ça passe. On veut bien se toiser, ce n'est pas arrivé. Vous savez, ça, ils ont voulu essayer, les démons ont voulu encore essayer de le faire ici à l'avènement de Félix. Oui, oui. Je me suis imposé, j'ai dit plus question ça ici. Plus question. Et en tout cas, sous moi, il faut me parler d'autre chose. Pas ça. Nous sommes les mêmes, c'est le même sang. Et puis, même avec ça, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et il n'y a personne à qui Dieu a donné une ordonnance pour dire là, c'est chez vous, par les autres ne peuvent pas être là. Non, non. Quand il pleut tout le monde, pour tout le monde, alors il ne faut pas en rajouter. Ça ne sert à rien. Nous devons tous nous unir. Nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Ça, il n'y a rien à faire. Vraiment, merci. Juste le mot de la fin, un message à la classe politique d'aujourd'hui. Si vous avez un petit conseil, c'est vraiment important. Merci. Merci surtout la classe politique issue de l'opposition. Ressaisissons-nous. Dieu nous a donné sur le plateau d'or les cadeaux que nous avons cherchés. C'est-à-dire à passer au pouvoir pour améliorer le bien-être du peuple congolais. Faire le contraire aujourd'hui, c'est plus qu'un péché. Nous ne prêchons pas la dictature, bien au contraire. Et lui qui est là n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et alors, par conséquent, facilitons-lui la tâche. Qu'il fasse ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est-à-dire rendre heureux le peuple congolais sur son sol. Et les autres, nos frères, qui ont été au pouvoir, nous allons obéir au mot d'ordre du président de la République. Pas de chasse aux sorcières. D'un côté, et de l'autre, qu'on soit calme et qu'on soit sincère. Qu'on laisse celui qui est là faire son travail et qu'on ne cherche pas à lui jeter les bâtons dans les roues parce que le peuple nous attend au tournant. C'est par là qu'on met un point final à notre tranche. Je dis merci vraiment à notre invité, Baba Kungu, les poids lourds, et je transmets aussi des salutations de la part du professeur André Mbata qui a vraiment salué le positionnement ou la position du professeur de Baba Kungu par rapport à la Moka. Vraiment, il est vraiment content de Baba Kungu. Merci professeur André Mbata. J'en profite aussi pour dire juste un mot au président Félix Tshisekedi. À la sortie du gouvernement, pensez aussi au peuple qu'on appelle les Babindi. Depuis le temps de Kasavubu, aucun Mubindi n'a été ministre, ni au temps de Mobutu, ni au temps de jusqu'à nos jours, pensez aussi à ces peuples. Et le peuple Babindi a aussi un leader, professeur André Mbata. Merci à tous les invités. Merci vraiment à notre frère Aimé Moulumba. Salutations au professeur Mbata. Oui. Salutations. Asie, Angoudina, vraiment merci. Si on peut juste te saluer, vraiment merci. Sans caméra. Merci, Aimé Moulumba, la famille présidentielle. Merci vraiment. Merci. Merci beaucoup, merci. Et à notre Baba Kungu, merci. Encore. Merci beaucoup. Ok. Merci. We'll be right back.